Alors, nous sommes venus ici pour exprimer les piliers que High Life Foundation fait. On a parlé beaucoup des piliers parmi les piliers d'éducation. Il y a le pilier de livelihood et le pilier de girl empowerment. Ici, il y a aussi le pilier de leadership. Nous aimerions que ces étudiants puissent avoir au moins un choix parmi nos piliers à la fin pour qu'ils puissent au moins faire quelque chose démonstratif. Il y a beaucoup de nationalités ici. Il y a le Burundais, il y a les Congolais. Nous aimerions que les Congolais fassent quelque chose en rapport avec le leadership, le volontariat, nettoyer les routes, nettoyer les caniveaux, planter des arbres pour que aussi chaque contrée soit couverte d'arbres. Nous aimerions aussi que les Burundais puissent au moins faire quelque chose en rapport avec le volontariat. Comme les autres pays, leur pays gagne de l'argent grâce au pilier de le volontariat. Mais nous aussi, nous avons dit pourquoi restons en arrière. Il faut qu'on commence quelque chose au Burundi. Alors, ils ont accepté de coopérer avec High Life Foundation et ils ont dit qu'ils sont capables de transformer leur nation. Car tout commence par la tête et le reste, ça suit. J'aimerais que ces étudiants puissent transformer leur pays. Si le pays est transformé, c'est l'Afrique qui est transformée. Si l'Afrique est transformée, c'est ça le bénéfice. Et tout commence par la transformation. Alors, High Life Foundation accueille tout le monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de conditions d'inscription. Il suffit seulement que vous adressez à nos adresses. Nous travaillons à Avenue de l'Amitié, ABC Building, deuxième étage, bureau numéro 51. Lorsque vous venez là-bas et que vous voulez un service de High Life Foundation, vous allez le récupérer ou bien vous allez l'avoir sans condition. Car notre objectif, c'est d'aider, mais ce n'est pas de taxer de l'argent. Car nous aimerons que les enfants burundais, les enfants africains transforment leur nation. Et c'est ça le bénéfice de High Life Foundation.